dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Vous en avez mis du temps. Et au moins on est là. Quoi de neuf sur Veltro? Parti pour la descente aux enfers. C'est un jeton de sécurité. Ça veut dire qu'on peut récupérer les données du cas. Qu'est-ce que c'est? Jill et Parker? Leurs recherches les ont menés en pleine mer. Mais nous avons perdu toute trace du bateau. Ici Jackass! J'ai les coordonnées du bateau. Je vous les envoie. C'est tout prêt. Ici Chris. J'ai reçu les coordonnées. On n'a plus beaucoup de temps. Bon sang. Ryan, on y va. Oh! Salut tout le monde, c'est Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode. Le chat et la souris. Sur le playthrough de Resident Evil Revelation. Donc j'ai tout vérifié cette fois. Son, caméra. Ça devrait aller, micro. Là je suis en micro studio, c'est pour ça que le micro est en haut là. Donc on va voir. Allez, c'est parti pour le chat et la souris. Donc on va avancer un petit peu. Et là on était qu'on allait se noyer et qu'on est sorti je ne sais où. Mer Méditerranée, 3h. Peuvent-ils être? N'importe où. Allons-y. Yes! Ah, oh, c'est pour courir. Ah, je trouve un jour, peut-être. Pas de plan. Mesdames et messieurs. Génial. Tiens, moi qui, nous qui refaisons du Resident Evil 5 avec... Avec DVDX, je peux vous dire que là, la maniabilité, c'est mieux. Mais bon, on a bien, on rigole bien sur l'esprit de Resident Evil 5. Moi, je veux le dé. On les neutralise et on les interroge. Le fouiller un peu, j'aime pas passer sans fouiller. Dehors, je pense pas qu'il y avait quelque chose. Hein. Ah, il y a un coffre. Ce n'est pas le moment, voyons. Enlève ta bouée, je vais pas te noyer là. Tonton. Vite! Ils vont se noyer, allons les chercher. Allez, bouge-toi, toi. Qui est vraiment pas mal, moi j'apprécie beaucoup quand même ces révélations. Hein. Je me fais bien plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. De toute façon, tout ce que je fais c'est pour... Ah, le plaisir! C'est une nouvelle mutation, une réaction à un nouveau virus. Et si on traçait direct, c'est pas mieux? Oh merde! Oh putain, y'en a un million! Salut! Ah. Si! Si on allait par là, non, c'est de là qu'on vient, je sais plus. Je crois que c'est de là qu'on vient, on m'en rappelle plus. C'est moi ou je suis débile, peut-être. Oui, c'est de là qu'on vient. Ah, bravo! Bravo! Ah! On se fait passer! Ne fait que passer!
Quand la maison les balles, rien ne sert de tirer pendant 25 ans. Allez, chill, arrive! Ah merde! J'espère seulement que Jill et Parker vont bien. Il est juste en train de se noyer, mais bon. Ah, je vais à l'instinct, hein, je vous le dis. C'est à l'instinct! Non, et puis la musique, merde, je voulais faire le... Non. Ça y est. Casino. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Ouais, bah, hein. Oh, merde. Envoyez des fleurs, tire. Oh merde! Oh my god! Oh le gros tas! Frappe-le! Tiens, gros! Je suis pas ma pote là. Tiens. Et... Panique! Bon, plus fort! On peut pas y aller par là? Ça ne s'ouvre pas, ouais, lui il est trop con lui. Est-ce qu'on peut serrer la machine à sous? Mais de l'argent! Ce n'est pas le moment. Allez, profite de jouer. C'est bien du Christ tout craché. Ce n'est pas le moment. Le moment est de péter la gueule aux gens. On remonte tout ce qui se trouve là. Hein. Allez, vite! Ouais. Oh merde! Il s'est déjà répandu sur le navire. Oh bien. Oh putain. Mais c'est dégueulasse. Scan terminé. Oh, bâtard. Boum. Va mourir l'enfer. C'est dégueulasse bordel là. Ouais, ça c'est bien fait ça aussi. Oh my god. Wow. Allez, allume-la, le bordel! Mais tire, espèce de conne! Oh
C'est la fête. Ah, surtout, viens pas m'aider, toi. C'est chaud. Ce cam, je suis un peu énervé là. Et lui qui est l'abruti celui-là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Fais-moi le cake là. Tu suis patron. C'est moi. Ils me mettent le stress là. Ah! Putain, j'ai fait bon. Oh merde. Oh merde. Saute. Oh merde. Dégage. Oh la putain de bâtard. Il y en a un autre. Je sens qu'il y en a un autre. Non. C'est pas. C'est par là. C'est comme s'il pouvait passer par cette barrière. Vite, vite, elle va se noyer. J'arrive, j'arrive. Putain, on marche pas. En ce moment, ça j'ai la carte. Mais merde! Allez! Quelqu'un! Je serai à votre service! Pour toujours! Viens, mon Parker! On va s'en sortir! Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi dur de les aider. Parker a intérêt à me donner un super resto pour me remercier. Vite! Putain, il y a drôle de bruit là. Craque ou c'est les monstres? Grenade à la main. Et comment elle jette ces connes de grenades là? On m'en rappelle plus. Yes. C'est chaud, mais on y arrive. Ouah. Il tire comme un pied, mec. Plus un médicament. Waouh. Continue de tirer. Et comme si ça les tuait pas, ça, c'est n'importe quoi. Et dégage! Ah, ça va. On allait, on allait, ils nous donnent des médicaments. Là. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de lécher le sol. Là. Oh. Mmh.
Merde. Balle, bordel. Wow, je suis passé. Wouhou, double esquive. Putain, c'est tendu, je suis déchaîné là. Peut-être qu'on ferme l'autre là, non? Ça sert à quoi ça? Ça ne bouge pas, d'accord, ça sert à rien. Ok. Il n'y en a plus. Oh putain, mon dieu. Bon, je crois qu'on va faire de l'esquive là parce que. Wow! What the fuck? Par là, par là. Oh, vas-y, faire foutre. Vite, avant que ça disparaisse. Ça, c'est la guerre, sans déconner. Oh, c'est la guerre. La salle des machines est par là, vite. Fouhou. C'était pas rempli, Lula. Il n'y a personne. Où est-ce que tu irais, Jill? J'ai pas compris là. Moi, pas compris. Vous avez compris, vous? Pas moi. Comment ils ont libéré l'eau, vont montrer là. Bien palpitant l'épisode 6. Alors, réfléchissons. Là, il y a une barre. Barre de fer. Ah, il y a un truc là. Le tuyau. Je vais toucher à droite. Ah. Vite. Oh. Oh, le noyer. Attends. On va prendre de l'air. Il ne plie pas cette fois. Yes.
Allez, mon gros. Ah, putain. La routine, hein, Jill? Oui. C'était quand même un peu tendu. C'était quand même un peu tendu. Bon. Ah, c'est par là. Oh, je suis pris la bonne porte pour une fois. Ah, t'es pas con. Wow, wow, wow. Moi, j'y cours, moi. Hop, hop, esquive, l'esquive. Vidange. Ok. Ça ira pour l'instant. Je vérifie le système de contrôle. Merde, j'ai pas de signal. L'antenne est peut-être débranchée. Elle est sur le point d'observation. On peut peut-être la réparer. Je suis sûr que la vie est super. Ouais, moi aussi. Allons-y. Le pont d'observation. On peut grimper là-haut. Du non. Je suis con, bordel. J'ai confondu ça à chaque fois. Comment la meilleure déjà? Merde. Ah oui, comme ça. Let's go. J'aime pas trop l'eau. L'eau continue. C'est bon, la cloison est fermée. On doit attendre. Moi, allez, dans le cube toison. Moi, je fais pas de gaspillage de balles. Direct. Vu comme ça, on est en coûte. D'accord, on est remonté en fait. Ils sont descendus pour rien. Non, on est sur le Queen Semiramis. Après les recherches de Quint, il y a deux bateaux. Vous devez être sur le navire jumeau du Queen Zenobia. Non. Jill et Parker sont sûrement prisonniers sur ce bateau. Vous avez pu le localiser? Non. Mais mes meilleurs agents y travaillent. Ça s'est pas écoulé beaucoup de temps, non? Exact. Qui sait, les deux bateaux voyageaient peut-être encore ensemble il y a quelques heures. Fouillez la zone. Vous les trouverez peut-être. Bien reçu. Ah, les cons, mais bon, c'est débile, ils sont dessus là. Qu'est-ce que tu cherches? Rien du tout. On va m'échapper.
Ça me gratte là. Pour éviter de me gratter à chaque fois. Oh merde. Mort. J'aime pas le noir, j'ai peur dans le noir. Ah, je veux dire, il est où ce... C'est trop duc. Non, pas encore, hein. Je vais tuer déjà 12 millions ici. Ça va me sauter dessus, je le sens. On la voit même pas. Ah, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Trop de balles pour tirer. Là. Si on peut esquiver, esquivez. Hein, je vous le dis si vous faites le jeu par la suite. Oh, c'est l'arnaque, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme aller-retour? C'est vrai que là c'est typique de Resident Evil. Parcourir 10 000 fois les couloirs. Oh, laisse tomber, viens. Il y a dans la douche, en train de se doucher. Voilà, j'ai entendu. Oh, moi je trache, je suis pas le super-héros là. C'est par là au moins. Pff, il m'a fait peur. Espèce de con, tu m'as fait peur. Mais genre, il est mortel le truc. C'est pas pareil qu'il faut aller, c'est sûr ça. Pourquoi j'ai par là moi si c'est pas par là? Ah putain, faut aller où là? D'accord, génial l'indication en bois. Putain, quelle connerie. C'est par où alors, par là? Alors je viens de là, il n'y a pas d'autre étage en dessous. Ah putain, ça me gave. Une porte là. C'est par là que je me suis planté alors. Je venais de l'ascenseur. Ah oui, d'accord, ok. Pfff.
là-dedans. Comment on fait pour y aller là? Ah, c'est par là. Voilà, quel crétin. Il y avait le pan escalier. Ça, c'est le début du jeu. C'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Tu je regarde comme ça et tout. Bon, avance. On continue à manger, ça va bien. D'accord, ok, génial, je sais même pas où il faut aller. Mais bon, pour un con ce truc là. Ou là on peut sélectionner l'étage dans l'ascenseur. Ce qui me paraîtrait être une bonne solution. Ah non, on descend. C'est pas là. Là, c'est un mystère. Mystère et boule de gomme. Je suis perdu, aidez-moi. Et si on sautait? C'est bizarre. Alors, c'est où? Ce serait par là. Voilà, ici, après moult perturbations que j'ai cherché pendant 4 heures. Alors, regardez comme des fois, je bug une échelle. J'ai fait le tour pendant une demi-heure pour rien. Alors, c'était ici. Donc voilà, on se retrouve hein, pour cette fois la vraie suite. Ouh, une rallonge. Qu'est-ce que c'est cette merde? Mon dieu! Oh, comment je l'ai éclaté! Je vais nous tuer. Nous faire tourner en rond pour rien et nous faire perdre notre temps. Nous faire chier. Ils n'ont pas donné signe de vie depuis cette vidéo. Ouais, j'aime pas ça. Dépêchons-nous d'atteindre le pont d'observation et contacter le QG. Parti. J'espère qu'ils ont au moins une idée d'où se trouve Chris. Ils sont sur le bateau, puis ils sont croisés, je suis sûr. Par là, je pense. C'est la seule issue. C'est vrai que c'est bizarre. Non, en fait, là, genre, c'est 5 minutes avant, je pense. Tu as entendu? Oui. J'ai peur.
par ici, Jill. Il est où? Ah, il y a un ascenseur, c'est vrai. Crétin. Merci, pour une fois qu'il sert à quelque chose, celui-là. Parfait. On peut rejoindre le pont d'observation. Oui, c'est trop beau, ça. On va se faire agresser. Et voilà. Il y a un truc là-haut. Oh mon dieu. Dégage. Oh mon dieu. Bon sang, il est coriace. Allez, viens. Oh, vas-y, fuck. Oh, la gueule de cul. Oh le bâtard. Il est parti. On peut sortir. Et il passe encore l'ascenseur. Putain, il m'a fait gaspiller toutes mes balles. Le bâtard. On est arrivé. Il fait nuit noire. Alors il n'y a rien à voir. Il fait une rime. Il fait noir, y'a rien à voir. Mais merde, mais je suis con. Quoi ce Bernard les médians là? Oh, 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 mais ici. Attention, un coup et c'est la fin. Pas ramasser. Putain, il esquive pas ce con. D'accord, super escape. Ça
Et tue-le, tue-le. Ah merde, je crois que j'étais à l'abri. Mais esquive pas cette conne. Oh, il me traîne, il me traîne. Vous êtes morts. Garde ton fusil. Mais esquive pas, mais putain, esquive! C'est quoi ce truc? Regarde ça! Comment il peut vivre? Je sais pas, mais il est moche. Mais quand même, hein? De fou, j'arrive pas à esquiver. Hein. Laisse-moi sortir. Oui. Thank you.
Jamais il crève. Putain. Wouh. Espèce d'abominable saloperie. Oh, quelle nuit de merde. Pourquoi tu l'as dit? Quelle grosse merde. Ah, mon sniper, il est puissant. Oh putain, il fait ça. L'antenne est tout là-haut. Ah bon? Allez, on y va. Pas l'avant du bateau, les proues. Un peu d'air frais, ça fait pas de mal. C'est clair. Si j'avais su ce qui nous attendait sur ce bateau, je serais pas venu. On n'a pas arrêté de se battre pour rester en vie. J'espère qu'on pourra faire une pause après avoir contacté le QG. Je vérifie le câblage de l'antenne. Hop, hop. Oh, oh là, il est complexe. Ça. Putain, j'avais compris le coup la dernière fois. Merci cela. Je me suis noyé là, non? Je suis relié là. Ah oui, c'est là, pardon. Non?
Oh putain. Ça devrait fonctionner. Je vais essayer. Espérons que ça marche. Ici Vermillon, quartier général, vous me recevez? Ici O'Brien. Ah. Vous allez bien? On a réussi. Chef, ici Parker. C'est la merde ici, c'est vraiment le bordel. Le bordel. Je sais, c'était un piège et nous sommes tombés dedans. Comment ça? Comment ça, un piège? Chef, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Répondez-moi. Restez en contact, j'ai un appel en urgence. Non, chef! Directeur O'Brien, nous avons reçu un appel d'urgence de l'ESF. Ils ont détecté un mouvement satellite. La force de sécurité européenne? Continuez. Oui, monsieur. Apparemment, le complexe d'énergie solaire de Terra Grigia est en cours d'activation. Oh non. Alors ça y est, c'est parti. On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Alors, vous n'avez pas changé. Parker ! QG ! Qu'est-ce qui se passe ? Le ciel va vous tomber sur la tête. Le complexe d'énergie solaire a été réactivé. Ils visent les repères de Veltro en Méditerranée. Et ce sont les bateaux de croisière. Les satellites qui ont détruit Terra Grigia. Juste au-dessus de nous. Ils peuvent pas ignorer l'ultimatum et détruire le navire. Chef ! Faut nous faire évacuer. Désolé. Mais je ne peux pas autoriser ça. Oh oh. Ah, je vais me laisser mourir dans le sixième. Bon, moi j'espère que ce sixième épisode vous a plu. C'était passionnant là. Le chat a souri. Donc on est dans la merde. Ouh, ouais. Donc j'espère que ça vous a plu. Il y a une petite coupure, je suis désolé, j'étais bloqué, donc j'ai préféré couper pour repartir sur la bonne base. Donc pensez toujours à commenter, à liker, à partager. Allez, peace!